en direct de l'Institut français de Kinshasa, dans le sud, bienvenue dans Yekola. Yekola, tu es parmi nous et pour tous sur Musique aux Télévisions à la présentation de Taïta. Festival d'humour, c'est la finale de mon premier Montre Afrique by Castel Fier. Le plus grand casting d'Afrique francophone revient à Kinshasa pour la grande finale et c'est bel et bien la saison 4. Venez découvrir les 8 jeunes artistes humoristes du continent. Un jury prestigieux décernera un grand gagnant qui sera invité au festival Montre Comédie en plus au mois de novembre. Alors, tous ensemble, venez assister à cette soirée pleine d'émotions et de sourires ce soir à l'Institut français. À tout de suite. Elle ne veut pas de toi.
Ça fait mal. Il faut 3 ans pour oublier un seul humain. L'Allemagne compte 80 millions d'habitants. 80 millions de gens qui m'ont dit non. 80 millions de humains. Il faudra 240 millions d'années pour oublier ce refus de visa. Tu sais, 240 millions d'années, c'est l'équivalent de quoi? Rien. À part les dinosaures, les présidents africains et les séries télévisées de Mouyoum de gauche, il n'y a rien qui peut tuer. 240 millions d'années. Et tu sais, c'est quoi le but? C'est arrivé là-bas. C'est pas le visa, le mot qu'on va refuser. C'est le visa Schengen. L'espace Schengen, c'est le premier pays d'Europe qui compte 425,92 millions d'habitants. Même les gens après la virgule, tu ne peux pas supporter leur boumain. Ça fait mal. Tu sais, j'aurais tellement aimé avoir ce visa. Parce que c'est le truc qui augmente les grades dans la hiérarchie sociale au pays. Moi, j'ai demandé le visa avec mon petit frère. On m'a refusé, on lui a donné. Actuellement, c'est lui l'aîné de la famille. Tu peux? Visa à quoi? C'est-à-dire, à droite, suivi des démarches. Tu fais quoi dans la vie? Ah! Mon meilleur ami en Europe, tu es sûr le soir même, tu rentres avec un étudiant de médecine. Donc, c'est pas quoi ça? Je réussis à cette compétition. Pendant la semaine de Montreux, en Suisse, de toute façon, mes amis vont mourir. Ils m'ont menti que je suis encore là-bas pour continuer d'accepter les enfants des gens. Je les connais bien. Merci de m'avoir écouté, mon esprit. Et la question, c'est que gardons la même énergie pour le prochain. C'est mon ami qui vient du Toro, le maximum de bruit pour Alors, bien évidemment, non.
je ne peux pas gérer 13 femmes. 13 femmes, 26 mamelles, je n'aime pas autant le lait. Non, je ne peux pas gérer 13 femmes. Déjà, avec une seule, c'est en vouloir tant plein, mes amis. Avec ma petite amie, par exemple, parfois, on parle jusqu'à 2h du matin. Je dis « on ». Mais c'est elle qui parle jusqu'à 2h du matin. Alors que normalement, à 2h, tu dors. Si à 2h, tu es encore éveillé, soit tu as des insomnies, mais il faut consulter un médecin, soit tu es des noirs. Et il faut consulter un pasteur, il n'y a rien à faire. Hein? Et à 7h, elle pose des questions existentielles. Elle me demande, bébé, si j'étais une carotte, qui commence une phrase comme ça? Déjà, elle m'appelle bébé. Moi, je l'ai toujours dit. J'aime pas les surnoms qu'on peut. Hein. Moi, je préfère les simples. Je préfère les surnoms simples. Comme mon roi, mon seigneur. Votre Majesté aux yeux bridés. Ou en mode simple, basique. Elle me dit, bébé, si j'étais une carotte et que tu étais un lapin, est-ce que tu me mangerais? Alors, je ne sais pas ce que ça pose de maintenant. Allez, on fait un foutre. Je ne vais pas vous dire. Mais pour elle, je suis un lapin. Merci, c'est fini. Théo Junior. Donc on va lui faire encore un applaudissement. Regardez, regardez. La première fois je fais Théo, vous faites Junior. La deuxième fois Théo Junior, vous applaudissez. Et la troisième fois, les amis, les femmes, vous lancez vos soutiens-gorge. Les hommes, vous lancez vos slips, tant que c'est propre. Oui, d'accord. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour accueillir Théo Junior, les amis? Alors, on accueille Théo. Théo. Faites du bruit pour Théo. Ben, vous savez qu'en demi-finale de cette compétition, j'ai fait un sketch sur les catholiques à Abidjan. Certaines personnes n'ont pas aimé. Et aujourd'hui, dans mon pays, on a fait tellement de séminaires chez les protestants que tu ne sais même pas retrouver Dieu dedans. Récemment, je venais de voir un séminaire évangélique et sur cette affiche de séminaire évangélique, il y avait un lion. Et le thème était « Où est le lion ?» J'ai pris le numéro du pasteur, je lui ai dit « Enlève le lion et tu verras l'agneau. » Oh. Vraiment, je vous dis merci parce que je passais un bon moment avec vous, Kinshasa. Ouais, vraiment merci, Kinshasa, merci à vous. Vraiment, j'espère que vous gardez la même chaleur pour le prochain. Lui, nous vient du Congo, Brazza, c'est un ami. Faites un max pour vous, mais bon, blague. Le tout porté par un Congolais qui parle français, je suis la personne la moins raciste au monde. Donc moi, je suis un artiste, humoriste, youtubeur, stand-upper, ce qui est une façon très cool de dire que je suis au chômage. Et physiquement, je suis le mélange de trois vieux musiciens de la RDC. Tabulé, Franco et Pépé Calé. Je pense que c'est visible, Taboulé, c'est au niveau du nez. Franco, c'est plus dans la coupe de cheveux. Et Pépé Calé, bien évidemment, c'est au niveau de mes yeux. C'est mon sketch, je dis ce que je veux. Quand j'arrête de me foutre de votre gueule, je suis gros. Voilà. Maintenant, vous êtes au courant. Et quand je dis ça, c'est par rapport à vous, pas par rapport à moi. Parce que pour vous, je suis gros. Pour moi, j'ai la minceur intérieure. Moi, dans ma tête, j'ai le physique de Fally Ipupa. On est d'accord, cette tête-là n'a aucune chance de s'envoler. Donc, mes amis, voilà, applaudir, 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 applaudir. Ah, le cousin.
je réponds tout de suite oui, 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 j'ai surveillé le fleuve. Si. Mais je suis très content d'être en République démocratique du Congo, même si j'ai juste un problème avec votre nom. Parce qu'avant, vous étiez le Zaïre. Ensuite, vous avez dit, on va devenir le Congo. Nous, on a dit, attendez, c'est déjà nous, le Congo. Vous avez dit, non, c'est pas pareil. Nous, on est le Congo démocratique. Qu'est-ce que vous insinuez? C'est pas parce que mon président est au pouvoir depuis 40 ans que... Non, c'est filmé, mauvaise blague, mauvaise blague. Je veux bien aller en Suisse, mais quand tu vas à l'étranger pour un spectacle, après, il faut revenir, c'est obligatoire. Sauf si tu es un danseur de Fabregas, mais sinon tu es obligé de revenir. Donc, mes amis, je vous aime beaucoup. Surtout votre façon de répondre quand on vous demande de quel Congo vous venez, vous dites, moi je viens du grand Congo. Et sur ça, j'ai deux choses à vous dire. Premièrement, pour répéter ce que je disais très souvent à mon ex, ce n'est pas la taille qui compte. Deuxièmement, les amis, vous avez raison. Parce que vous êtes 105 millions d'habitants. Le Congo, c'est 5 millions. Kinshasa, c'est 3 fois le Congo. Ça veut dire que pour vous, Brazzaville, ce n'est pas vraiment une ville. C'est une famille nombreuse. Mais pas si nombreuse que ça. Les amis, je vous aime beaucoup. J'attends surtout votre langue lingala, même si je connais que quelques mots. Ouais, moté pour dire bonjour, nengeni pour comment ça va, papa ou combata bundate. Là, je vois que les connaisseurs, Pour ceux qui n'ont pas compris cette phrase, c'est une phrase que disent souvent les femmes congolaises et qui signifie monsieur, est-ce que vous voulez faire du cheval? Et je ne sais pas vous, mais moi, quand une femme me demande de faire du cheval, je pense qu'elle veut faire du cheval. Et c'est pas ça. Parce que j'ai déjà trouvé bizarre. Parce que je me demandais pourquoi elle a caché son cheval dans une chambre d'hôtel. Et une fois dans la chambre, il n'y avait pas le cheval. Ça veut dire que l'un d'entre nous allait être le cheval. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous pouvez aussi m'appeler Black Puna. Moi je suis un galérien. Excusez-moi, on avait dit que galérien ça sonne trop fort, tu vois. Fallait trouver un synonyme, je l'ai. Donc, synonyme de galérien. Les amis, moi je suis un étudiant. Ouais, c'est un synonyme. Et je suis étudiant en médecine. Ça veut dire que moi, je suis parmi les plus grands escrocs au monde. Parce que moi, si tu m'appelles quelque part, que je ne viens pas, quand tu me demandes ce que j'avais, je vais te dire, cher ami, j'avais une hypertrophie maligne de la flègue. Ça veut dire que je suis paresseux. C'est tout. Et moi, je suis étudiant en médecine et humoriste. Ça veut dire qu'un jour, je serai médecin et humoriste. Je pense qu'on est d'accord que c'est le plus mauvais mélange au monde. Ça fonctionne parce que c'est comme si tu étais à la fois policier et voleur. Donc, vous appelez ça policier routier ou un roulage. Mais sinon, en vrai, ça marche pas. Les amis, j'adore faire des études de médecine parce qu'on a des très belles matières. La cardiologie, la pneumologie, la sexologie. Je pense que je n'ai pas besoin de définir le dernier mot. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec la sexologie, c'est que... monsieur, comment vous appelez? Vous voyez, monsieur Kado, lui, quand il regarde un film porno, il regarde un film porno. Moi qui fais sexologie, si je regarde un film porno, je révise. Et j'aime bien réviser. Mais mon vrai problème avec la médecine, c'est que je ne peux pas tout faire dans la médecine. Par exemple, moi, si je suis cardiologue et que je dis à mon malade, monsieur, pour votre maladie du cœur, vous devrez maigrir. Qu'est-ce qu'il va me répondre? Docteur, commence, moi, je te suis. Il y a des spécialités que je ne peux pas faire. Par exemple, la gynécologie. Attention, mesdames, je n'ai rien contre vous. Je vous aime beaucoup. Peut-être même un peu trop. Mais la gynécologie, je ne peux pas. Déjà parce que le gynécologue, c'est le seul homme au monde qui travaille là où tout le monde prend du plaisir. Mais surtout, quand tu es gynécologue, tu dois être professionnel
tout le temps. C'est-à-dire que tu dois apprendre à ton engin à être professionnel. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'éduquer cette chose, mais c'est compliqué. Les hommes dans la salle vont se reconnaître, des fois, ils se lèvent, tu ne sais pas pourquoi. Des fois, tu es à l'église, tu es là, tu me souviens. Et il est debout. Et toi, tu te demandes à toi. Ça aussi, c'est l'amour de Dieu. Mais surtout, moi, je me demande comment ça se passe si je deviens vraiment un médecin humoriste. Est-ce qu'un médecin humoriste, quand il arrive à l'hôpital, il entre comme nous, on arrive sur scène, genre « Bonjour les malades! Est-ce que vous êtes chaud? » Ça veut dire que tu as de la fièvre, quand tu parles, c'est ta mort. Et puis, ça prescrit quoi, un médecin humoriste? Des doliblades, du paracétamol. Et puis, imagine la consultation avec un médecin humoriste. Moi, je sais que je ne pourrai jamais garder mon sérieux. Oui, madame, nous avons reçu les résultats de vos examens et vous avez le cancer. C'est vrai, docteur? Non, je rigole, je rigole. Je suis médecin humoriste. Non, tu as le sida, c'est cool. Merci, Kinshasa, c'est la bonne. Beaucoup de blancs quand même. Et beaucoup de blancs derrière. Ah, les choses changent, hein? Simon Kimba nous disait un jour l'Afrique va changer. Est-ce que les blancs peuvent s'applaudir? Non, ça va même faire un blanc derrière. Ça vous voit la vie non vieille? Vieille non pire, hein? Alors, place au jury. Je voudrais savoir si vous, très chers membres de jury, jusque-là vous êtes satisfaits et qu'est-ce que vous attendez de ceux qui viennent après. J'aimerais écouter d'abord Laetitia. Est-ce que ça va? Est-ce que le niveau qu'on a ce soir? Bonsoir. C'est super. Franchement, on s'amuse, on rigole bien, donc c'est parfait. Ok, est-ce qu'on va applaudir très fort, très fort cet avis? Ce sont ces avis qui vont amener nos candidats ou notre, on va dire notre candidat ou candidate en Suisse. Alors, voici pour vous le cinquième artiste qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, pour vous ce soir, Fifi de Tchoukouni. Parce que ça va aller vite. Ils m'ont mis à ce niveau du spectacle pour vous donner de l'énergie. Beauté. Avant de commencer, j'aimerais demander pardon à deux personnes. À ma mère et à la production de Montreux. À ma mère parce qu'elle avait promis de ne plus boire de la bière jusqu'à ce que je découvre le nom de la compétition. Mon premier Montreux, by Castel Bière. Au moins, si tu me vois à la téléphone, m'excuse.
Et aussi à la production de Montreux parce que... C'est moi qui voulais les serviettes dans les hôtels où on nous loge. Je sais, c'est pas digne d'un artiste et puis ça salue le nom de Montreux. Mais je promets de laisser les serviettes. Maintenant c'est le savon, les télécommandes. Et j'ai un peu mal dans ma vie parce que ces derniers temps, à chaque fois que je commence à m'approcher de quelqu'un, la personne meurt. J'ai perdu mon père en 2021, au moment où je commençais à l'aimer. Et avant de venir au Congo, il y avait deux de mes cousins qui sont morts parce que je suis allé habiter là-bas et j'ai commencé à les aimer. Et cher public, et en fait, ce sont des filles charmantes, attirantes, comme vous. Bonsoir, mademoiselle, madame. Comment on vous appelle? Comment? J'ai pas entendu son prénom. Alex, on travaille avec des filles professionnelles comme Vanessa, parce que dans le sketch, j'ai écrit Vanessa. Et je sais que parmi vous, il y a des hommes qui se disent « Oui, mais nous aussi, on veut travailler avec ton entreprise. On est prêt à pénétrer le marché de l'emploi. Si tu veux, on peut te payer en liquide. » Écoutez, moi, je préfère travailler avec mes sœurs. Je préfère travailler avec les femmes parce que vous savez que c'est plus facile d'introduire les femmes dans n'importe quel milieu professionnel. Hein? Les femmes ont beaucoup d'ouverture dans tous les secteurs d'activité. Et vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup trop de discrimination et de préjugés sur les femmes. Merci de m'avoir écouté, je m'appelle Roland. Je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour la prochaine artiste. C'est une fille qui va vous donner de la joie. Elle s'appelle Joyce Alade.
l'Afrique, on en parle. Regardez, moi j'ai pas de problème avec le fait qu'on ramène les émissions occidentales en Afrique. Mais faisons ça au moins bien. On a copié Bachelor. Par applaudissement, qui ici a déjà regardé Bachelor Europe? Mais quand tu regardes Bachelor Europe, le gars est d'abord charismatique, bien beau. Tu sens que c'est un ancien mannequin. Mais Bachelor Afrique, maman, Bachelor Cameroun, c'est mon frère. Mais sérieusement, il va laisser. Moi, je pense qu'on va l'appeler Bachelor au lieu de Bachelor. Tellement le gars est gros en haut, mince en bas. On dirait une pyramide renversée. Ou bien le regarder, tu as souvent mis les deux placés comme ça. La présentatrice de l'émission, elle est d'abord jalouse des autres candidates. Et quand tu la regardes, tu sens qu'elle est amoureuse du Bachelor. Et il n'y a pas que les émissions qu'on a copiées, même les fêtes. Noël, Halloween. Maman, chez nous au Cameroun, là, à Noël, on te trafique d'abord un père Noël albinos. Et n'est rien contre les albinos, c'est... d'ailleurs, j'aime bien les blancs. Et quand tu regardes le père Noël dans les cieux, allez-y, les gars, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Et quand tu regardes le père Noël dans les yeux, tu sens que le gars passe par des moments très difficiles. Il a faim, il a les dettes de loyer. Quand il donne même le cadeau à un enfant, l'enfant qui peut venir récupérer le cadeau, le gars va vendre ça. Halloween, la fête des morts. Sauf que chez nous au Cameroun, les vrais morts ne prennent pas ça pour de la blague. Et même participent à la fête. Dernièrement, j'ai rencontré mon ex qui était décédé. Je me suis dit que le gars est revenu pour une vengeance parce que je suis avec son père actuellement. Non, le gars, il était venu prendre une bière. C'est un vrai Camerounais. Mais regardez les gars, je vous en prie. Regardez, il me met à genoux. Au nom de tout ce que j'ai de plus cher sur cette terre, mes deux perruques et mon power bank. Maman, c'est pas facile d'utiliser l'iPhone. Copions tout, mais laissons chirurgie à tout prix, pardon. Vous vous imaginez chirurgie à tout prix en Afrique? On va se retrouver dans une de ces charcuteries inexplicables. Moi, j'ai toujours voulu me faire une chirurgie parce que je me trouve maigre. Ça ne bouge pas assez. Tonton, concentre-toi en haut. Parce que l'avantage quand tu es gros gars, c'est qu'on ne peut pas facilement te kidnapper. Qui va te porter? Qui va te porter? Merci, c'était tout pour moi. Cet élève-là qui voulait toujours être le premier de la classe. Sauf qu'en face, il y avait un élève du nom de Zongo Moussa. Le gars, il est premier depuis sa classe de maternelle. Même quand on fait appel, quand bien même qu'il s'appelle Zongo, c'est lui qu'on appelle d'abord. Et à chaque devoir, celui qui finissait le premier, un moment me donnait, il a dit trop, c'est trop, il faut qu'on aussi, on parle de moi aussi. Et j'ai tout fait, il a fini le premier, lors d'un devoir, je suis allé remettre ma copie. Et j'entends derrière, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, je retourne, c'est Moussa. Il dit, monsieur, je pense qu'il y a une erreur sur l'exercice 3. Et là, le professeur qui dit, exercice 3. Alors, tout le monde a l'exercice 3, tout le monde a l'exercice 3. Il prend l'exercice 3. Et... ah oui, c'est vrai. Mettez plutôt la virgule entre le 2 et le 9. Je vous jure, pourtant, dans l'erreur, là, moi, j'ai trouvé la réponse. C'est même grâce à ça que j'ai eu la fameuse note de 1 sur 20. Honnêtement, je n'aimais pas l'école. J'avais pour rêve de devenir comme mon oncle, tonton Alphonse. J'avais une grande ferme de moutons. Et une fois, ces moutons étaient malades. Il fait appel à un vétérinaire. Et le vétérinaire qui vient dit, bonsoir monsieur, dites-moi, où sont logés vos moutons? Mon oncle demande, mouton noir là ou bien le mouton blanc là? Le vétérinaire dit, le blanc. Il dit, bon, blanc là, j'ai fait un petit appartement où je l'ai bien à l'intérieur. Il dit, ok. Et le noir? Il dit, c'est la même chose. C'est la même chose.
Et qu'est-ce que vous leur donnez comme nourriture? Mon homme dit mouton noir là, ou le mouton blanc là. Le vétérinaire dit bon, le blanc. Il dit bon, blanc là, ce sont des maïs que je lui donne. Il dit le noir. Il dit c'est la même chose. C'est la même chose. Il dit mais qu'est-ce que vous leur donnez comme eau à boire? Mon homme demande le noir là, ou le blanc. Il dit bon, le noir. Mon homme dit bon, noir là, c'est eau de pluie, je lui donne. Il dit le blanc. C'est la même chose. À un moment donné, le vétérinaire, il dit, mais écoutez, monsieur, si c'est c'est le même traitement que vous faites, de pourquoi vous me posez la question, le blanc ou le noir? Maintenant, on dit, hein, c'est parce que le blanc m'appartient. On dit le noir, c'est la même chose. Donc, à un moment donné, nous tous, on pensait que tonton Alphonse était devenu fou. Sauf que tonton Alphonse, pour nous prouver le contraire, tonton Alphonse a écrit un roman. Oui. Et à la première couverture, on dit, tonton Alphonse, qu'est-ce que vous avez écrit à la première page de votre roman? Il dit, il a écrit, le roi monte à cheval et s'en va. Nous, on était impressionnés. Waouh! On dit, tonton, et à la fin de votre, c'est-à-dire à la dernière page, qu'est-ce que vous avez écrit? Tonton Alphonse dit, il a écrit, le roi est enfin arrivé. On dit, tonton, faites-nous un peu le résumé, qu'est-ce que vous avez écrit au milieu? Il dit, il a écrit, crica, 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 crica. C'est là le roi arrivé à la fin là-bas. Vous convenez avec moi que ce n'est pas tous les rêves qu'il faut réaliser. Je vous remercie, c'était tout pour moi. Merci. Et donc, le nom qui gagne
se prive de... Pardon. Un peu de suspense, maman. Un peu de suspense, madame. Merci. Tout le monde est d'amour. Le prix Canal Plus University qui permet un passage sur le gala de mon premier Montreux Afrique by Castelmire qui sera ici le 12 juillet. Le nom de la personne qui gagne, c'est... Joyce. C'est Joyce qui gagne le prix. Elle sera avec nous ici le 12. On peut l'applaudir très fort. Alors. Ouais, venez également avec moi. Alors. Oui. Venez, monsieur Anthony, s'il vous plaît. Et donc, le prix Canal Plus est décerné à... Fifi de Tchikouni. Fifi de Tchikouni. Tchikouni. On va acclamer très fort pour ce qui gagne. Félicitations, Fifi de Tchikouni. Clément, on peut se serrer un peu de l'autre côté. Ah, voilà. Le prix de la découverte de l'Académie d'humour du Guy Coco de ce soir est décerné à Gizmio. Gizmio. Il va faire son passage au Guy Coco. On va donc annoncer à présent qui gagne cette quatrième saison de mon premier Montreux Afrique by Casserville. Et donc je vais demander à... Entre, c'est qui l'annonce? Et Ludivine Bonjour va donc nous dire qui gagne. Je ne sais pas s'il y aura un discours pour faire le suspense. Pardon. Un peu de suspense. Je signale que le gagnant va faire un passage d'abord en Côte d'Ivoire pour une formation pendant 2 mois. En fait, le gagnant, donc déjà, ça a été très très dur hein, de se départager. Donc vraiment, vous n'avez pas du tout démérité. Et ceux qui, malheureusement, il n'y a pas 8 prix, mais vous mériteriez chacun un prix. Donc déjà, vraiment, bravo à tous. En effet, la personne que l'on a sélectionnée viendra à Montreux en novembre prochain, donc il va falloir aller au visa rapidement. Et il intégrera également la formation de Guy Coco l'année prochaine. Donc, le grand gagnant de cette année, de cette saison de mon premier Montreux Afrique 4 est... Il n'y a pas de tambour. Yeah.
avait ce soir, Casselvir et Braco Brest. On va acclamer très fort pour le sponsor. Merci au Léger, Emmanuel Bédard et à ses équipes. Merci à Vodacom et à MPSA. On peut acclamer très fort. J'ai un numéro Vodacom et j'ai MPSA. Merci au Léger, Khalil Al Americani et ses équipes. Merci à Canal Plus et à Canal Plus University qui m'ont sponsorisé aussi pour mon prochain spectacle. Merci à Novotel Kinshasa, merci à Pinta Bokoum et à ses équipes. On va applaudir très fort s'il vous plaît. Merci à l'Institut français qui nous accueille depuis 3 années consécutives. On peut applaudir très fort pour Françoise, Valérie, directrice et ses équipes. Merci à Kébène pour Kembo. Merci, on va applaudir très fort. On va écouter Black Panda dire un petit mot, vite fait, et puis on va partir. Mesdames et messieurs, pour commencer, je tiens à remercier chacun d'entre vous, car sans vous, tout ceci n'a aucune valeur. Merci pour vos rires, merci pour votre présence, merci de faire de nous ce que nous sommes. Et vive Kinshasa, mesdames et messieurs! Elles sont pas très bien, très fort. On va également dire merci à ma banque. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour ma banque et pour mon chef? Merci à toute l'équipe qui s'est mobilisée derrière ce projet. Je me sens libérée et très bien. Libérée pourquoi? Parce que cette compétition, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration. Et là, je peux maintenant penser à autre chose. J'avais peur de jouer à l'étranger, genre comment est-ce que le public va prendre? Mais le public était plutôt très réceptif, je me suis bien amusée, j'ai vécu une très belle expérience. Avec les Congolais, bien sûr. Avec les Congolais, ils ont ouais, j'ai beaucoup aimé. Ils sont pas agressifs, quand on joue, ils respectent. Ouais. Et puis, ils ont de bons retours. Exactement. Même quand ça passe pas, ils essaient de faire genre, ils compatissent en fait. Tu sens de la compatie, j'ai beaucoup aimé, j'ai eu une très belle expérience. D'accord, merci beaucoup madame, bonsoir. De rien. Alors, dites-nous, comment vous vous sentez après cette activité? Ah bon, après je me sens libéré, je me sens un peu libre parce que j'étais trop stressé. Okay. Pour au final finir 3e, mince. C'est pas grave, mais je suis content de ce que j'ai pu produire. Je pense que vous n'avez pas de mérité en tout cas. C'est vraiment une victoire méritée. Vous êtes le meilleur. Okay. Comment vous avez trouvé le public de ce soir? Ah, c'était le public était magnifique. Moi, je suis à Abidjan. Je pensais que le public était chaud. Mais Kinshasa, ah, c'est le haut level. Et j'ai aimé. Okay. J'ai vraiment aimé. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, je suis l'artiste humoriste Black Panda du Congo Brazzaville, civilement connu sous le nom de Mulunda Malonga Edi Dorion. Je suis né le 25 février 1999, soit âgé de 25 ans. Je suis le mélange très improbable entre un étudiant en médecine et un humoriste. Donc c'est vrai? Oui, mon texte est basé sur la réalité. Je suis actuellement en 8e année d'études de médecine. Donc si tout va bien, je deviens médecin à la fin de l'année. D'accord. Alors comment vous avez fait pour préparer votre sketch de ce soir? Puisque vous êtes étudiant et vous préparez même votre... Les deux métiers sont très difficiles à concilier. J'ai eu beaucoup de chance parce que la compétition est tombée dans une période où j'avais pas mal de temps libre. Actuellement, je suis en préparation d'une thèse de médecine et j'ai dû laisser ma thèse un peu, me donner un peu de temps pour préparer la compétition. Et là, quand je rentre, je vais devoir charbonner pour tout rattraper. Vous ne pensez pas que c'est en retard ou c'est un risque de faire cela parce que... Oui, mais vous savez, comme le disait Sun Tzu, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est-à-dire que s'il y a un risque et qu'on réussit à le surmonter, la victoire n'est que plus belle. Je sais, c'est difficile à décrire parce que j'ai stressé pendant très, très, très longtemps, jusqu'au bout, jusqu'à ce que j'entende mon nom, j'ai pas cru. Et je suis content que ce soit bien fini. Le sketch a été préparé en un certain temps. C'est un sketch que j'ai eu l'occasion de roder avant la compétition. Et lors des ateliers organisés par mon premier monteur, par Casselbir, associé à Canal Plus University, nous avons eu l'occasion de nous améliorer. Nous avons travaillé dans les ateliers avec des très bons coachs,
Notamment, nous avons travaillé avec Laetitia Mampaka, nous avons travaillé avec Valérie Ndongo et nous avons travaillé avec le metteur en scène Tierno Toun qui nous a fait un très bon boulot. Et je peux dire que le sketch que j'avais avant s'est beaucoup amélioré durant cette masterclass. Le public de Kinshasa est bouillant. Il est chaud, il en veut, il veut rire, il a faim de bonnes blagues. Donc je suis arrivé en me disant, je vais tout donner et je vais essayer de prendre un maximum de plaisir. Et je suis content que ça ait payé. Merci. Et s'il faut revenir, vous reviendrez sans souci. Bien sûr, ce n'est pas ma première fois à Kinshasa et ce n'est certainement pas la dernière fois. Okay. Un petit mot à Lingala. Donc. Un petit mot à Lingala. Je parle Lingala. Bande kobo bolingo ya Kinshasa na pesi bino mbote depuis l'autre côté du fleuve. Certes, on ne sait pas que garder les tilapias et sauver le fleuve. C'est pas le Lingala, c'est le français. Non, je mélange, c'est le Lingassé. Bino mo boye bito ko bomba ka fleuve te de temps en temps photo yaka tozui moi trophée biso tout au sepeli. OK. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Castel Beer. Alors, merci de rester pour côté des clients. N'oubliez pas l'antenne pour tous les autres. Nous vous retrouvons maintenant. Nous vous retrouvons pour la